moi je me suis intéressé au pâturage tournant pour avoir des repères quand je me suis installé. Parce que je savais pas du tout la pratique parce que mon oncle travaillait en veau sous la mer indirectement, donc les vaches rentraient matin et soir. Et moi je travaillais en liberté et puis voilà quoi, je voulais un peu une référence pour pouvoir utiliser l'herbe. Suite à la mesure avec l'herbomètre et le conseiller de la chambre d'agriculture, on peut déterminer des jours d'avance d'herbe. Je vais pouvoir calculer avec ces mesures-là, selon le besoin du troupeau, la quantité d'herbe disponible et le nombre de jours à disposition du troupeau. Et derrière, dans le conseil, c'est soit on augmente la surface pâturée, soit on joue sur la fertilisation, soit on joue sur le nombre d'animaux qui pâturent. Voilà. Donc ça lui permet vraiment lui d'être sécurisé et de vérifier qu'il utilise vraiment l'herbe de la meilleure qualité possible pour faire des kilos de viande, son objectif étant d'arriver à 0 kg de concentré à terme de son projet d'installation. Mais les jours d'avance d'herbe, ça me permet de me rassurer, de pouvoir calculer un peu le stock qu'on a sur pied. Mon but aujourd'hui, c'est de produire de la viande au moindre coût. Et il faut savoir que 1 litre de lait, ça a autant de valeur que de l'aliment. Donc l'herbe permet de faire produire du lait à la vache, et ce qui est directement traduit par la fabrication de viande au niveau des broutards. Donc voilà, et autant utiliser l'herbe au bon stade. C'est de la nourriture qu'on a gratuite, quoi. Donc il faut l'utiliser au maximum.